Eric Stubbs, le maire Mark Sutcliffe, la chef adjointe Trish Ferguson et le surintendant Jamie Dunlop. Our speakers today are Chief of Police Eric Stubbs, the mayor Mark Sutcliffe, Deputy Chief Trish Ferguson, and Superintendent Jamie Dunlop. Also in attendance with us today, également présent aujourd'hui, est Barhaven Councillors Wilson Lowe and David Hill, and City of Ottawa Manager Wendy Stephenson. For everyone's awareness, we are broadcasting this live on YouTube as well. Pour l'information de tous et de toutes, nous allons diffuser également ce point de presse sur la chaîne YouTube. Good afternoon. This afternoon, cet après-midi, nous allons vous fournir une mise à jour d'un geste de violence inouï qui a malheureusement laissé 6 personnes décédées, dont 4 enfants. Il y a également un homme blessé. Avant de poursuivre, je veux vous signaler et vous indiquer à quel point c'est une enquête qui est très difficile, qui est toujours en cours. Nous allons pouvoir vous partager certains détails. Vers 10h52 hier soir, le service de police d'Ottawa a reçu 2 appels via le 911. Un homme était en crise et demandait absolument d'appeler le 911. Une équipe a été assignée et est arrivée sur place quelques instants plus tard. Les policiers ont identifié un suspect et cette personne a été arrêtée dès notre arrivée. Les policiers ont pénétré à l'intérieur de la maison et malheureusement, c'est là qu'ils ont découvert les 6 victimes. Le plus jeune était âgé de moins de 3 mois. La famille est originaire de Sri Lanka et venait tout juste d'arriver au pays. Nous avons avisé la famille qui vivent encore là-bas. Le père a été retrouvé blessé. Il est encore en condition, mais hors de danger. Il y a une personne qui est décédée âgée de 35 ans, la mère des enfants. Leur 7-year-old son, Anuka, Anuka, le garçon de 7 ans, leur fille de 4 ans, une autre jeune fille de 2 ans, et leur dernier enfant âgé de 2 mois et demi. Nous avons aussi trouvé une autre personne de 40 ans qui est un ami et une personne proche de la famille qui venait elle aussi d'arriver récemment au Canada. L'enquête nous permet de croire et de comprendre que c'est une arme blanche qui aurait causé et qui a provoqué ces décès. Nous avons déjà accusé un jeune de 19 ans pour les 6 accusations de meurtre. Lui aussi est quelqu'un du Sri Lanka et c'est le seul suspect que nous avons à l'heure actuelle pour cette tragédie. Nous allons poursuivre nos enquêtes et essayer d'obtenir d'autres informations, mais pour l'instant, nous gardons les unités sur place afin de découvrir davantage d'informations. Et je vous demande de limiter vos questions à ce que nous avons fourni aussi comme indication. Nous ne pourrons, étant donné que l'enquête est toujours en cours. Malheureusement, c'est un acte insensé qui est survenu. Nous sommes tous ébranlés par cette situation, tout comme la communauté. Nous tenons à offrir nos condoléances à toute la famille éprouvée également, et nous voyons et remarquons à quel point la communauté est affectée par cette situation, et nous offrons également nos condoléances, à toute la population sri-lankaise qui est ici dans la municipalité. Nous avons fourni des supports et du service psychologique pour les jeunes
de deux écoles avoisinantes et nous invitons toute personne qui en a besoin à contacter le numéro de téléphone dont je viens de vous faire mention. C'est réellement une perte incroyable. Une vigile aura lieu et est prévue en mémoire des victimes. Nous souhaitons que, évidemment, le public reste éloigné de la scène de crime de façon à ce que notre enquête puisse se poursuivre. Nous allons poursuivre tous nos efforts de façon à pouvoir obtenir d'autres informations. Thank you, Chief. I will now introduce Deputy Chief Trish Ferguson. Je vais demander à la chef adjointe, Patricia Ferguson, de se joindre à nous maintenant. Bonjour et bienvenue. Cet après-midi, nous allons vous mettre à jour sur un tragique acte de violence à Barrhaven qui a fait 6 morts, dont 4 jeunes enfants. Avant de poursuivre, je tiens à souligner qu'il s'agit d'une enquête très difficile, complexe et active. Certains des détails dont nous allons vous faire part aujourd'hui sont dérangeants. Voici ce que je peux vous dire. Vers 22h52 hier, le service de police d'Ottawa reçut 2 appels au 911 des environs de la promenade Berrigan et signalant un incident suspect où un homme criait à l'aide, demandant aux gens de faire le 911. Des agents furent immédiatement dépêchés sur les lieux et le premier agent arriva sur place quelques minutes après. Alors que plusieurs policiers arrivent, les agents purent identifier un suspect qui fut vite arrêté sans incident. Les ambulanciers paramédicaux avaient aussi été appelés et arrivèrent bientôt. Des agents entrèrent dans ce demeure pour vérifier si ceux qui se trouvaient à l'intérieur étaient en sûreté. C'est alors qu'ils commencèrent à découvrir les 6 victimes, dont la plus jeune était âgée de moins de 3 mois. Nous nous affairons à aviser les familles des défunts, dont plusieurs se trouveraient outre-mer. Un homme, le père et mari des victimes, fut trouvé sur les lieux, blessé. Il fut transporté à l'hôpital où il repose dans un état grave mais stable. Les victimes sont Darshani Banbaranyaki et Kananyaki, âgée de 35 ans. Celle-ci est la mère des enfants. Leur fils, Inuka Wickramasinghe, âgée de 7 ans. Leur fille, Ashniwini, âgée de 4 ans. Leur fille, Rinyana, âgée de 2 ans. Et leur fille, Kelly, âgée de 2 mois et demi. Aussi trouvée morte, Amarakone Gamini Amarakone, âgée de 40 ans, une connaissance de la famille qui habitait avec eux. Il était récemment arrivé au Canada. L'enquête a permis d'établir une arme tranchante fut employée pour causer les morts et blessures. La famille, originaire du Sri Lanka, était récemment arrivée au Canada. 2 des enfants fréquentaient des écoles locales. Nous avons pris contact avec le conseil scolaire. Nous avons arrêté un homme âgé de 19 ans, donc Fabrio de Souza, et l'avons inculpé de 6 chefs de meurtre au premier degré, et d'un chef de tentative de meurtre. L'accusé est un ressortissant sri-lankais qui serait au Canada comme étudiant. Nous savons qu'il y a de nombreuses questions quant aux raisons de cette tragédie. C'est là-dessus que se concentre notre unité des homicides, alors qu'elle enquête assidûment sur ce crime insensé afin d'établir la preuve dans cette affaire. Nos équipes d'enquêteurs et d'identifiés judiciaires travaillent arrache-pied à éclaircir tous les faits pour garantir une justice soit faite. Mais cela signifie également que nous devons protéger l'intégrité de l'enquête pour les tribunaux. C'est clair, il s'agit d'un acte de violence insensé perpétré contre des gens simplement innocents. Je sais que notre entière collectivité est bouleversée et éplorée par ces événements. Après cette perte inimaginable, je tiens à exprimer mes sincères condoléances aux proches de toutes les victimes. Nous proposons des ressources de soutien et nous savons que la collectivité se mobilise. Je tiens aussi à reconnaître la douleur ressentie dans la communauté, tant ici
à Ottawa qu'à l'étranger. Des ressources de soutien à l'intention des victimes et de la communauté ont été mises en place dans le quartier et les écoles afin de réconforter la collectivité en cette période éprouvante. Nous prions quiconque ayant besoin d'un tel appui de s'adresser au centre détresse pour un service 24 heures sur 24 en composant le 613-238-3311. Cette tragédie pèsera dans une doute fort, sans doute fort longtemps sur le cœur en chacun d'entre nous. En souvenir des victimes, une vigile a été établie au parc Palmadeo, au coin des promenades Palmadeo et Rodeo. Nous prions aux gens d'éviter les environs des lieux du crime, tandis qu'il se poursuit l'enquête policière. Je suis aussi conscient de l'incidence de cette affaire pourrait avoir sur nos membres et d'autres intervenants d'urgence. Nous proposons du soutien et des entretiens à tous les membres du corps policier touché. Nous serons disponibles à répondre des questions après un mot du maire. Thank you, Deputy Chief. We'll now have some comments from Mayor Mark Sutcliffe. Au maire, Monsieur Sutcliffe, de venir adresser quelques paroles. This morning, the residents of our wonderful city woke up to the news of a shocking and devastating event in the beautiful and peaceful community. Cette triste nouvelle qui est survenue à Barrhaven. Cette nouvelle a choqué de nombreux résidents de la ville d'Ottawa et bien sûr, elle est particulièrement troublante pour les voisins et tous ceux qui vivent à Barrhaven. This news has shaken many residents Cette annonce a évidemment eu un effet sur la population de Ottawa, mais aussi dans le secteur de Barrhaven. David Hill, who are here today. Je tiens au nom de mes collègues que Barrhaven est une communauté qui est en pleine expansion et qui reçoit et accueille plusieurs nouvelles familles ici. Et c'est pourquoi nous sommes surpris de savoir qu'une telle nouvelle soit survenue. Il est particulièrement troublant pour moi, en tant que parent, d'entendre parler de la perte de quatre enfants très jeunes. It is particularly troubling for me as a parent. Encore plus troublant pour moi en tant que parent, surtout quand on apprend qu'il y a quatre jeunes victimes qui ont malheureusement été affectées par cette tragédie. Hier, justement, j'ai rencontré des étudiants et étudiantes du comité de Barrhaven. Et ils étaient même venus chanter l'hymne national à l'hôtel de ville. Alors, c'est encore plus saisissant et incompréhensible pour moi de comprendre qu'est-ce qui est survenu où quatre enfants et deux adultes ont été tués. Je tiens à assurer aux résidents d'Ottawa qu'il n'y a pas de menace pour la sécurité publique. Comme M. Stubbs l'a mentionné, je tiens à rassurer la population d'Ottawa qu'il n'y a plus de menaces pour la santé et le bien-être de la population. Je tiens encore une fois à remercier tout le personnel ambulancier et policier qui s'est rendu sur place de façon à arriver à cette situation et je ne peux qu'imaginer à quel point cela a dû être difficile d'être témoin d'une scène aussi difficile. C'est évident que ce sera difficile pour plusieurs d'entre nous de tenter de reprendre le cours normal des choses, mais encore plus quand on pense que nous vivons dans cette municipalité où cette tragédie s'est produite. Mais je tiens encore une fois à rassurer la population qu'il n'y a plus de danger et qu'ils peuvent se sentir en sécurité. Encore une fois, je tiens à réitérer le fait que la population entière d'Ottawa est derrière la communauté et la famille affectée par cette malheureuse tragédie. Encore une fois, nous allons immédiatement touchés par cette tragédie. Je veux que vous sachiez que toute la ville d'Ottawa est à vos côtés
et que nos pensées et nos prières s'adressent à chacun d'entre vous en cette période incroyablement difficile. Throughout our large but very tightly knit community, à travers la communauté, c'est évident que plusieurs personnes sont et seront affectées par cette situation. Et j'invite toute la communauté à se rassembler autour de ces personnes affectées et de s'assurer que personne ne sera laissé ou abandonné. C'est important dans des situations comme celle-ci d'offrir notre effort, notre support, pardon, et de s'assurer non seulement pour les prochaines heures, mais également pour les prochaines journées. Thank you, Mayor. We will now open the floor to some questions. Nous allons maintenant ouvrir la période de questions. I will be passing around a microphone and I will ask that you ask only one question. Nous allons demander à chacun des membres ici présents de poser seulement une question. When you have the microphone, please identify yourself and your agency. Lorsqu'on vous transmettra le microphone, bien vous identifier. Jillian Piper with Global News. Hi, thank you for taking my question, Jillian Piper, Global News. To confirm, you said it was an edged weapon. Can you tell me any more about une arme tranchante. Êtes-vous en mesure de nous fournir quelques indications additionnelles concernant l'arme? An edged weapon is, that's a knife-like object. Limiter nos commentaires à l'aspect arme tranchante, comme nous l'avons mentionné. Yes. Including the one that was injured, not dead. Yes. Okay. Thank you. Okay. Sorry. We'll now move on to Dave Charbonneau with CTV News. No question. CBC. Perfect. Hi, Chief. My question is about the suspect and his connection to the victims. Was the suspect known to the victims? Est-ce que l'individu connaissait la famille? We did mention that the suspect is an acquaintance of the family. Nous l'avons mentionné. Le suspect était effectivement une connaissance de la famille. Yeah. Unfortunately, you know, that's something that our homicide team is looking into. Pour l'instant, c'est quelque chose que notre équipe poursuit l'enquête et essaie d'obtenir d'autres informations à ce sujet. City News? Anyone from City News? No. Post Media? Citizen? Hi, Marla Glass with The Citizen. The suspect, is he connected to any other crimes? Est-ce que le suspect aurait des liens avec des groupes criminalisés ou autres? Pour l'instant, nous n'avons aucune information à cet effet. Nous n'avons trouvé aucun casier judiciaire relié au suspect qui a été arrêté. I'm not saying that was the 19-year-old, no. Okay. That's not accurate. Félix Pilon or David Bates with La Cité. Do you have a question? Est-ce que vous avez une question? Lise avec Le Devoir. Vous avez dit que le suspect était relié à la famille en anglais. Est-ce que vous pouvez juste clarifier, parce que j'avais compris que c'était la personne qui avait 40 ans, qui était reliée à la famille, une connaissance de la famille et vivait avec eux. Mm-hmm. Puis sur la personne qui criait dans la rue, est-ce qu'on comprend que c'est le père qui a appelé le 911? Okay. Yeah. Alors, la personne qui était âgée à Maracoun, 40 ans, c'était pas le même monsieur que le suspect de 19 ans. Alors, le suspect de 19 ans, mais il y avait un autre mâle adulte qui était avec la famille qui restait là aussi. Donc, les deux vivaient à la maison? Oui, oui. Puis l'homme qui crie, c'est celui qui a appelé le père qui a appelé le 911? Oui. Mickey with Canadian Press? Right here. Can you confirm, or I guess can you say who the man was calling for help? Was it the father? Êtes-vous en mesure de nous dire qui était la personne qui a demandé l'aide de la police et qui a composé le 911? The sequence of events that occurred nous there, sommes that encore en train de, d'établir l'ordre et la séquence des événements. Mais je peux vous confirmer que l'homme de 40 ans qui a été blessé est celui qui a fait l'appel au 911. Information. You said that the 19-year-old international. Pouvez-vous nous donner un peu d'informations additionnelles concernant ce jeune étudiant de 19 ans? Was that individual also living there and subletting with this family? Ce jeune
restait avec la famille. Pour l'instant, il est trop tôt pour comprendre exactement le lien précis et pourquoi ils se retrouvaient sur place. Et nous tentons encore une fois, là, après seulement 12 à 14 heures, d'obtenir d'autres informations pour nous permettre de poursuivre cette enquête. Yeah, I do know that I think as often occurs, some come first and then others follow. And of course, we have a 2.5-month-old that is deceased and born in Canada. So essayer d'obtenir à ce sujet, mais on parle ici d'une jeune fille âgée de 2 mois et demi. Bonjour, j'aimerais savoir, est-ce que c'est le plus gros mass murder à Ottawa jamais? Que la ville a jamais connu. Vous pouvez répondre dans les deux là. Oui, dans les années récentes, oui, mais on peut pas dire comme depuis jamais. Mais nous avions pensé que c'est, oui, c'est un des plus grands. Absolument. So the question there was, what is this the largest murder? La question portait à savoir est-ce que c'est la tragédie la plus importante, significative que Ottawa a connue. Point de presse des forces policières à Ottawa sur ce drame épouvantable qui a fait 6 victimes, 6 meurtres. On a appris donc d'abord qu'il s'agit d'une mère de famille de 35 ans, ses enfants, son garçon de 7 ans, elle a 3 filles. Qui ont été tués, une fille de 4 ans, une fille de 2 ans et un petit bébé de 2 mois et demi à peine. Il y avait un ami de la famille qui vivait avec eux et qui a lui aussi fait partie des victimes. Le blessé, c'est le père. C'est lui qui a appelé donc le 911 et qui a appelé les policiers, qui a appelé à l'aide. Le meurtrier, le suspect, est un homme de 19 ans, ressortissant. La famille est une famille de ressortissants sri-lankais arrivés au Canada depuis peu. Et le meurtrier, suspect en tout cas, est un homme de 19 ans, un étudiant, un Sri-Lankais lui aussi, donc, qui étudie au Canada, et qui est le seul suspect, donc les policiers estiment que c'est lui. Acte insensé, a dit la police. Donc, ce sont les faits pour le moment. On va continuer de suivre ça. C'est une histoire en développement. Restez sur les ondes de LCN, bien sûr, pour plus de détails.